troisième étape aujourd'hui dans un décor sublime mais extrêmement redouté par les concurrentes, même pour les pilotes les plus chevronnés. Bonjour à tous et bienvenue dans les fameuses dunes de Merzouga. Trois niveaux de difficulté sont possibles, mais quel que soit le parcours choisi, je peux vous dire que les gazelles ont beaucoup de cran et un sacré coup de volant, parce que je m'y connais quand même pas mal en pilotage, et surtout, j'ai mon petit secret. Regardez. Yalla! Yeah, c'est qui le pilote? C'est moi! Déjà, avant de rentrer dans le sas, il faut dégonfler les pneus. Comme ça, on a beaucoup plus d'adhérence, ça épouse beaucoup mieux le terrain. Dès qu'on arrive au sommet d'une crête, il faut relâcher, parce que si on relâche pas, bah forcément, avec l'élan de la voiture, ça va taper, parce que souvent, ça fait un peu des pics. Donc logiquement, c'est quand les épaules sont passées le haut de la crête, on relâche l'embrayage pour faire ralentir la voiture et que la voiture se pose sur la crête et bascule avec l'élan. C'est ça qui est difficile, c'est d'oser lâcher quand on est en haut et qu'on voit rien. Et puis on se dit, on lâche après. Comme en ski finalement, quand on fait du freeride, on va utiliser le terrain, les bosses, on va prendre de l'élan dans les trous. On a beau dire c'est comme le ski, au ski ça fait que descendre, ça remonte pas derrière. Donc pour l'instant on marche beaucoup et on va de dune en dune pour voir par quel côté faire passer la voiture. Ah, là, là, là. Oh bravo. Eh ben dis donc, ça c'est de l'effort. Oh là, c'est énorme, c'est de l'adrénaline avant, au moment où ça casse, quand on sent qu'on s'est passé, c'est... Et puis il y a ce petit coup de stress avant qui fait que ça tremble partout et puis c'est trop bon. Et aujourd'hui, les températures sont plutôt fraîches, le sable est donc assez praticable. Mais malheureusement, les tankages sont inévitables, ça fait aussi partie du jeu. Et c'est justement dans les situations les plus difficiles que les gazelles peuvent le plus compter les unes sur les autres. On se détanque, on se tanque ensemble, ça fait partie du rallye. Et c'est génial aussi, c'est comme ça qu'on s'éclate, mais j'avoue que c'est difficile. Bravo les filles. Un balisto. Besoin d'un coup de main. Peut-être la décaler un peu, ça va la décoincer. Bah mais merci hein. C'est dur. On m'aide, c'est normal. On nous a aidés hier pendant 2 heures. Alors que la pression est quand même forte, donc tout le monde est un peu tendu, mais oui, tout le monde est solidaire, donc c'est super. Et la première chose qu'on a envie de faire quand on sort des dunes, eh bien c'est ça. Et je peux vous dire que si le sable s'enlève, les souvenirs de cette journée vont rester longtemps gravés dans la mémoire de nos gazelles. Côté sportif, c'était l'étape à ne pas rater. Voyons si les dunes de Merzouga ont aussi mis leur grain de sable au classement général. Dès les premiers tours de roue, elle se dresse devant vous, impossible à contourner. Crainte ou désirée, les plus hautes dunes du Maroc vous contemplent fièrement. C'est dans ce paysage de carte postale que les expertes portent le mieux leur nom. Parmi toutes ses compétitrices, Carole Montillier.
Avec Sylvie Fraîche, la championne olympique de ski surfe sur l'océan de sable avec autant d'aisance qu'elle dévalait la pente de Salt Lake City en 2002. Première victoire d'étape cette année pour l'équipage 407 qui gagne une place dans un classement général toujours dominé par le duo James Borg. On n'a plus qu'un kilomètre d'avance sur le classement, mais on reste en tête, on reste positif quand même. Et la bataille est belle, c'est sympa. On fait notre petit bonhomme de chemin et puis on voit l'arrivée. Hein. L'exigeant relief de Merzouga ne fait pas seulement souffrir les corps et les esprits, il fatigue aussi la mécanique, notamment chez les crossovers. Malgré un parcours adapté, les pénalités pleuvent, et ce sont les Françaises de l'équipage 311 qui s'en sortent le mieux. Aurore Ministro et Siventi Abdallah éloignent un peu plus leurs adversaires. On se sent tous seuls quand même hein, dans la nature, mais on est contentes. Ouais, on continue. Cette étape 3 MDJS n'a pas bouleversé la hiérarchie chez les 4x4. Aucun changement chez les 4 premiers, si ce n'est le fossé qui se creuse entre le duo Sbinden-Christen et leur poursuivante après la deuxième victoire consécutive des Suissesses. La Suisse qui se porte très bien puisque l'équipage 146 est lui aussi au sommet de sa catégorie, celle des premières participations. Tout ce qu'on peut donner, on le fait. Et c'est vrai que quand tu as un résultat comme ça, on est assez contente et fière. Mais c'est vrai que j'ai Peggy, la copie, qui m'a dit que le chemin, qui sait exactement les caps, qui m'a averti. On a un duo qui est assez fantastique. Chez les quads, Betty Kraft et Sonia Baudouin s'offrent un troisième succès en 3 jours. 6 km les séparent désormais de l'équipage franco-colombien Keramidas Giraldo. Galère, tankage, pelletage, solidarité, bonheur. Ce soir, les gazelles ont énormément de choses à se raconter sur le bivouac. Et ça tombe bien, une petite coupe de champagne tsarine les attend pour célébrer la victoire sur les dunes. Demain, 4e étape, c'est une étape marathon. À demain! Non, Omega Dune. C'est trop bon.